BSP Harris Studios, Pictures, Sound Productions, Harris. Pour aujourd'hui et pour très longtemps. EDES Ministries, Évangile des Salis Ministries, un organe d'évangélisation pour les salis des âmes en Jésus-Christ. À présent, nous allons suivre la prédication avec l'évangéliste Blaise Nensamou. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Daniel, au chapitre 3, verset 24 et le verset 25. Il est écrit ceci. Alors le roi Nebuchadnezzar fit effrayer et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement oui. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. La Bible nous dit qu'on avait jeté trois hommes. Et ces hommes étaient identifiés, il y avait Shadrach, Meshach et Abednego. Mais quand le roi est revenu pour voir certainement si ces gens-là ont été consumés par le fourneau ardent, la Bible nous dit qu'il a fait des remarques. La première des choses, il a découvert qu'il n'y avait pas seulement trois personnes, il y avait une quatrième personne qui s'était ajoutée. Et la deuxième remarque que le roi avait constatée, il a constaté que ces gens ont été jetés liés, mais en revenant, le roi a trouvé que ces gens n'étaient plus liés, leurs liens étaient rompus. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous arrive des fois dans notre vie que nous nous sentons liés, nous nous sentons accablés par des problèmes, par la maladie. Mais j'aimerais te dire, à chaque fois que tu vis, mets ça dans ta tête, mets ça dans ton esprit, que tu n'as jamais été seul. Il y a toujours une deuxième personne qui s'ajoute dans ta vie. À chaque fois que tu as des problèmes, sache que ces problèmes ne te tueront point, parce que l'Éternel est avec toi. Voilà ce qu'il te dit, il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point. C'est le message qu'il m'a envoyé pour que je puisse te l'annoncer aujourd'hui. Je t'annonce cette bonne nouvelle. Bien-aimé, le roi savait qu'il y avait trois personnes qui ont été jetées au fourneau. Mais quand ils sont venus, ils se sont retrouvés qu'il y avait quatre personnes. Et cette personne-là n'était pas une personne des communs des mortels. Le roi dira, je vois il y a une quatrième personne, mais cette quatrième personne, sa figure est semblable aux figures des fils des dieux. Bien-aimé dans le Seigneur, le fils des dieux est là pour toi. Le fils des dieux apparaîtra devant tes ennemis. Dieu veut tout simplement que ta délivrance ne soit pas ordinaire. Il veut que ta délivrance soit surnaturelle, que ta délivrance soit extraordinaire. Voilà pourquoi il a laissé ses temps. Le roi de gloire a fait à ce que le matin, quand ils vont revenir, qu'ils voient que Dieu avait délivré son peuple, Dieu avait délivré ses serviteurs. Je proclame, je prophétise pour quelqu'un. Aujourd'hui, c'est lui qui m'écoute, c'est lui qui me voit. Je prophétise sur toi et que Dieu va te délivrer. Dieu viendra à toi pour te délivrer sans que tes ennemis s'en aperçoivent. Car Dieu, quand il va venir, ta délivrance sera un témoignage. Ta délivrance sera un miracle. Ta délivrance deviendra une référence. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, Dieu est là pour toi. Dieu s'est mis debout, il s'est levé de son trône pour te délivrer. Quel est ce problème qui t'ennuie? Quel est ce problème qui t'accable? Quelle est cette situation auquel tu te fourrais et tu ne sais pas t'en sortir? Dieu va te faire sortir, car il m'a dit d'aller, de venir te dire qu'il est à tes côtés, il ne t'a jamais abandonné, il ne t'a jamais délaissé. Fermons les yeux et nous allons prier l'Éternel Dieu. Ô Dieu de gloire, je sais qu'il est écrit dans ta parole, que tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Seigneur oh Dieu, la parole qui a été prononcée aujourd'hui, Seigneur oh Dieu, puisse couper tous les liens. Tous mes frères et sœurs qui ont été liés par le monde des ténèbres, que ces liens-là soient rompus. Quelle que soit la nature de ces liens, en fer ou en fibre, Seigneur oh Dieu, ou en coton, que ces liens-là soient rompus au nom de Jésus. Et Seigneur oh Dieu, je mérite cette tout-puissant de gloire. Que ton apparition à côté de mon frère, à côté de ma sœur, soit visible. Que nos ennemis voient ta gloire. Que nos ennemis sachent aujourd'hui que tu as été avec nous. Toi, l'Éternel, Dieu de gloire, tu marches avec nous. Merci, Père éternel, pour nous avoir délivrés. Merci, Père éternel, pour avoir délivré mon frère. Merci, Père éternel, pour avoir délivré ma sœur, qui a perduré pendant longtemps dans les prisons des ténèbres. Aujourd'hui, je les vois libres. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui tu es libre. Sens-toi libre, au nom de Jésus. Voilà, je vous remercie
et j'ai dit Amen. Nous venons de suivre la prédication de l'EDS Ministries avec l'évangéliste Blaise Nensamou, une réalisation de PSP Harris Studio. Contactez-nous au +243 97 86 86 7 86 ou au +243 84 452 26 26. Écrivez-nous sur edsministriestv@gmail.com. Soyez le premier à vous abonner sur notre chaîne YouTube edsministries.tv et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook Évangile d'Issali Ministries pour avoir le privilège de suivre en continuité nos activités. Que Dieu vous bénisse.